Oh putain, ils m'ont perdu. D'accord, donc en fait, il faut vraiment avancer dans les hautes herbes, quoi. Enfin, dans les hautes herbes. Pas qu'on va trouver des Pokémon, mais... Donc la musique, effectivement, m'indique que j'ai été repéré par un drone. Ouais, j'avance à votre purée de poids, quoi. Ah oui, il est passé au-dessus de moi, il m'a pas vu, hein. Ok, on va y aller tranquillou. Putain. Alors, il y en a un qui devrait passer au-dessus de moi dans pas longtemps. Oh merde. Voilà, ouf. Anymore. I think they're on to me. You're being paranoid. No one's on to you. You don't get it. Every time I go in there, it's like they're all watching. Yesterday, this executive creep gave me this look like I could just tell he knew. If they knew, we'd all be dead by now. Maybe they're just messing with our heads. And what purpose would that serve? I don't know, to get their fucking sadistic load off. That's not how they operate. Trust me, I was with the corporation long enough. Cette interrogation neurale est hyper longue. Je pense que je vais pas être tout seul dans le coin. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. C'est un bordel visuel. Amir. Oh putain. Putain de merde. Je sais pas ce que je fais, où je vais là. Putain, je vois rien. What?
It didn't have to be this way. Putain, c'était intense, bordel de merde. Cette interrogation neurale était extrêmement intéressante. Ok, donc, si je résume, sur cette petite musique jazz qui détend après tout ça, Elena Novak, après s'être mariée à Adam Novak, et donc avoir changé de nom, puisque j'imagine qu'elle s'appelait pas Novak avant, les deux se retrouvent dans la merde. Novak, lui, enfin Adam, essaie de trouver un job réglo. Le problème, c'est que malgré tout ça, il manque d'argent. Donc elle passe un deal avec le type qu'on a trouvé dans l'appartement d'Adam... Amir, pardon. Elle se marie avec Amir. Et donc... elle passe un deal avec... la personne qui à la base était supposée être Adam, en tout cas d'où l'appel nous était parvenu, quand il nous a appelé quand on était dans la caisse au tout début, sauf qu'en fait il s'agit de Leon Grabinski, qui est mort, et donc elle apparaîtrait pas sans dire avec ce Leon Grabinski pour récupérer des dossiers confidentiels dans Chiron, puisqu'elle a été embauchée en tant que programmeuse débutante chez Chiron. Donc elle s'était fait implanter une mémoire illégale spéciale dans le crâne, un truc indétectable, de manière à pouvoir télécharger les données depuis les serveurs de Chiron dans sa mémoire directement. Le truc c'est qu'elle avait l'air d'être poursuivie, on a vu ça dans l'interrogation neurale, et si bien qu'elle a fini par être tuée, elle et Amir, par cette espèce de monstre bizarre là. Un peu poilu, cette espèce de dôme animal. Qui à mon avis était envoyé soit par Chiron, soit quelqu'un d'autre qui voulait les données. Et donc tout ça apparemment était pour le futur, soi-disant. Donc est-ce que ce serait pas des projets, ou des choses, des trucs confidentiels, ou peut-être une arme pour faire tomber Chiron, j'en sais rien. 3615, was it? Let's give it a shot. Et... ok. Ah, la vision nocturne, elle sert. Elle sert beaucoup plus. Ou pas en fait, mais... on va pas mettre le ventilo, ça sert à rien. Oh là là, c'est nous mettre dans le sous-sol tout ça. Bah ça m'a indiqué rien qui vaille, hein.
Wow. D'accord. C'est là qu'elle s'est fait implanter le truc. Wait, mais il y a masse de trucs à regarder. This place is a fucking slaughterhouse. Putain, ouais. Si. Ça, c'est un module de prothèse oculaire. Enregistreur de son. C'est quoi ça? Ok, bien. Une lampe torche là, je peux pas la prendre. Juste là, là. On dirait que je peux faire bouger des crochets. Et faire bouger la table également. I've seen these before. Ripper 2. They use them to decrypt implant software. Ok, très bien. Qu'est-ce que je fais bouger là? C'est quoi ça, attendez? Ah bah c'est accroché, bien sûr. Putain, ça a l'air vachement cool. J'ai tellement envie de sauter là-dedans. Ok, on saute. Et on va s'arrêter après. Petit teasing pour la fois d'après.
Oh. On est dans le sous-sol. Tu viens de m'emmener en dessous de l'immeuble. Je me ferai un chemin dans ce labyrinthe et retourner à l'étage. Il y a peut-être quelqu'un dans le coin qui pourrait m'aider. Eh ben, ça pue la merde. Moi, c'est ce que j'en dis. Bon, et ben, ma foi, ce Observer, il est très intéressant. Vraiment très intéressant. Il manque d'un petit truc pour le rendre absolument captivant, mais il est très original dans son approche, dans son visuel. Son scénario est intrigant sans être extrêmement captivant. L'ambiance est plutôt bonne, sans être extrêmement pesante. Il a quelque chose de très différent de Layers of Fear, tout en restant un petit peu dans la même veine. Il est, à mon sens, mieux que Layers of Fear. On sent que les gars ont poussé un concept un peu plus loin. Là où Layers of Fear jouait beaucoup quand même avec, c'est vrai, avec cette espèce de folie, là, on essaie d'avoir quelque chose de toujours dans la même direction, mais avec un véritable univers, un véritable scénario. Et une véritable enquête avec du gameplay en plus, en quelque sorte, si je peux dire ça comme ça. Une phase d'enquête et des dialogues. Je sais pas du tout dans quoi ça va nous mener, mais j'ai bien l'impression que notre enquête dans cette affaire nous a mis cette espèce de créature à nos trousses. Et je pense... Quand j'entends les bruits là, ça m'étonnerait même pas qu'on la croise dans le sous-sol. J'espère que ces vidéos sur Observer vous auront plu. Je vous donne bientôt rendez-vous, ou rendez-vous bientôt, ou on s'en branle, mettez les mots dans l'ordre comme vous voulez, hein. De toute façon, vous avez l'habitude de ce que je dis en fin de vidéo. J'espère que vous aurez apprécié, et puis bah, d'ici les prochaines, portez-vous bien. Allez, salut !